at 4 in the morning. I'm fucking tired. Alors, je me présente, je suis Antoine Trucchi et je suis comédien et metteur en scène et aussi musicien et catcheur maintenant. Alors, ce qu'il se passe ici au Théâtre du Port-Nord à Chalon, il se passe une présentation de maquette, c'est-à-dire que c'est un bout d'un spectacle qu'on va produire en 2022. Un spectacle qui s'appelle Bagarre Générale, que j'ai créé et conçu avec toute l'équipe derrière. C'est une équipe, pour l'instant, où on est 17. Donc Bagarre Générale, un opéra rock catch avec musiciens, bande originale composée par nos compositeurs. L'idée de Bagarre Générale est née dans un festival qu'on organise avec notre compagnie qui s'appelle L'Abeille Bugle, qui est une compagnie qui produit d'abord de la musique. Et on a un festival qui s'appelle L'Abeille Bugle, et il y a 3 ans, on a créé, sur demande du directeur du festival, Antoine Arnera, qui est un des compositeurs du spectacle. Il m'avait demandé de créer un spectacle avec l'équipe technique et l'équipe d'organisation du festival. Et il m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas du catch ?» Et j'ai dit « D'accord ». On a créé une histoire qui est à peu près celle qu'on voit maintenant, qu'on a vue ce soir, mais enfin cet après-midi, et qu'on a racontée en 3 épisodes, 3 épisodes d'une heure tous les soirs sur le festival. Bonjour, je suis Stéphane Noguès, je suis le directeur de l'école de Kachaya qui a été fondée il y a un peu plus de 10 ans. Et je suis également l'actuel champion européen de la Wrestling Alliance Company. Et au sein de cette production ici à Bagarre Générale, j'ai donc coaché l'équipe de comédiens et de cascadeurs catcheurs. C'est terriblement original, ça véhicule un message positif, c'est un spectacle qui offre du divertissement et également avec une pensée de fond. Et ça, c'est vraiment formidable. J'ai une salle également à Lyon, donc ils viennent s'entraîner à Lyon. Donc je les ai coachés en groupe et vraiment avec cette commande particulière qui est d'apprendre des mouvements de catch pour cette création. Et puis après, on a dissocié les tableaux, s'entraîner à faire les tableaux, les matchs précisément par binôme ou par quatuor sur ce ring-là. Voilà, en fait, on a dégrossi, en fait. Donc, il n'y a aucun catcheur professionnel. C'est soit des comédiens ou des artistes qui ont un petit peu de compétences physiques. Et puis, il y a même des techniciens du spectacle qui sont au sein de cette création. Et puis, des gens qui n'ont jamais pratiqué. Et donc, tout simplement, je m'adapte à ce qu'ils savent faire et à ce qu'ils ne savent pas faire pour travailler en toute sécurité. Et puis, pour que ça soit de niveau professionnel, vaut mieux leur en demander peu, mais très bien fait. C'est un divertissement pour toute la famille où on vient... où les petits et les grands-enfants viennent encourager les gentils et viennent adorer, détester les méchants. Et évidemment, on s'en ressort plus profond. Je le disais tout à l'heure, divertissement, et puis on s'en ressort avec une réflexion à la clé. Donc, je m'appelle Anthony Carnet, je suis comédien professionnel et membre de Bagarre Générale depuis mars 2019, en l'occurrence. Alors, je peux vous parler du personnage que j'interprète, qui est donc Barbak la Carcasse, qui est un Tchétchène qui a été élevé dans la forêt, plus ou moins par des ours. Voilà, disons qu'il a une vie très sauvage. Et c'est pas raconté dans l'histoire de la maquette, mais il a recueilli Petit Jésus autour de son exil de 10 ans, voilà, qui a beaucoup voyagé, qui a fait le tour du monde. Et un jour, il s'est retrouvé à s'entraîner avec Barbak, et ça a été son compère d'entraînement. Et voilà. Le défi, il est avant tout physique, parce que c'est un spectacle qui est extrêmement physique pour le coup, qui demande en fait de toucher à énormément de domaines. Qu'on maîtrise pas forcément. En l'occurrence, la plupart d'entre nous sont des comédiens de base, donc à la rigueur, la gestion d'une scène, on sait à peu près faire, mais pour tout ce qui est chant, tout ce qui est danse, tout ce qui est chorégraphie, et peut-être le plus essentiel, justement, le catch. On part pas de zéro, mais presque, et l'idée, c'est de se faire un globi-boulga, un truc qui réunit tout ça, en se disant, on y va, on sait pas faire, mais on va apprendre, on va s'entourer de professionnels qui vont savoir nous transmettre leur art, et puis on va tout mettre ça, on va faire un gros mélange, et puis on essaiera de faire que tout ça soit cohérent à la fin. 3 mots pour résumer Bagarre Générale. Avant tout, une énergie collective, ouais. Grandiloquent peut-être. Violence.